Salut, salut! On se retrouve post-douche, puisqu'on va tester les bigoudis pilou-pilou que j'ai achetés sur Chine. Donc, il est tard, hein. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, si, il est 20h06. Voilà, je viens de finir de manger. J'ai été à la douche juste avant, comme ça mes cheveux ont le temps de semi-sécher. Pas totalement non plus. Donc, je vais d'abord mettre le Bête Head Tiggy After Party, puisque il a un petit côté produit coiffant. Donc, j'en mets pas trop, hein, parce que sinon ça fait trop. Mais je vais en mettre sur mes longueurs pour que mes cheveux bouclent bien. Faut que ça prenne bien. Et je vais dormir avec. Et on se retrouvera demain matin avec une tête qui va être encore pire que maintenant. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Donc, je vais les brosser pour bien étaler le produit. Et j'ai oublié mes petites pinces en bas. Elle est concon, la fifi. Donc, comme j'ai acheté 2 x 6, je vais en mettre 6 de chaque côté, tout simplement. Alors, je sépare ma tête plus ou moins en deux. Hein, c'est pas non plus très grave si c'est pas nickel, nickel. Donc, ici, je vais attacher. Non, il n'y a pas besoin, ça devrait être cool. Je vais juste reséparer en deux comme ça pour faire 3 et 3. Voilà. Comme ça, j'en mets 3 en dessous. Ou peut-être 2 et 4. Je ne sais pas. On va voir. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire des toutes petites mèches. Et si jamais ça ne tient pas, il faudra que je les sécurise avec des petits élastiques. Mais alors, est-ce qu'on sait faire 3 mèches là-dedans? Éventuellement, c'est possible. Là, ça fait un peu beaucoup. Hop. Et hop. Alors, je vais coincer celle-ci en dessous pour pas la perdre. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, vous avez les petites pressions. Et alors, faites bien entendu attention de ne pas casser la pointe, hein, parce que on plie la pointe. Je sais pas comment on se comprend. Il me semble qu'on dit casser. Et on tournicote. C'est raté pour pas casser la pointe là, si tu fais n'importe quoi, ma cocotte. Attendez, 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 je m'en mêle. Je fais attention à la pointe, plus ou moins. Et je tournicote jusqu'en haut, enfin jusqu'aux racines. Puis je vais vous dire n'importe quoi, mais il est tard, hein, c'est pas ma faute. Mamie, elle est fatiguée hein, après à cette heure-ci. Alors, je vais essayer que ça soit bien fermé pour que ça tienne bien pendant la nuit parce que le pilou-pilou ça a tendance à glisser. Et voilà pour la première. Bon, écoutez, on va voir. Hein. On verra demain ce que ça donne. Si j'en ai encore sur la tête pendant la nuit d'ailleurs. C'est pas sûr. Je pense qu'il va falloir que je les sécurise quand même avec un petit élastique. J'ai déjà fini de manger, Georges. Qu'est-ce que tu fais? Je mets mes bigoudis. Tes bigoudis? En pilou-pilou. Tiens, regarde, c'est des bigoudis en pilou-pilou. En gros, tu fais juste ton vlog, quoi. Mais non, c'est une vidéo. Demain matin, je regarderai ce que ça donne en vidéo. Enfin, je les ouvrirai. T'as déjà fini de manger, toi? T'as mangé avec un lance-pierre encore? Non, j'ai mangé qu'une assiette. T'as bien aimé quand même? Ouais. Fais bien manger ta maman. Ça me donne envie de manger du poulet, maman. Ouais, je peux pas faire 15 repas différents. Hein. Ça a l'air quand même de bien tenir. Faut juste vraiment bien essayer de torsader un peu les pressions quoi, pour que ça tienne bien. Voilà. On va passer à l'étage du dessus. Donc j'ai réussi à en mettre 3 quand même là en dessous, donc 3 et 3. Hein.
Donc voilà, je crois que vous avez compris le principe. Je fais l'autre côté. Et je viens vous remontrer quand même le résultat final avant de passer à demain pour les enlever. Et donc voilà, j'ai fini de les appliquer. Alors je suis patiente, supporter de dormir avec, je verrai bien. De toute façon, on se retrouve, quoi qu'il en soit, on se retrouve demain matin. Soit pour les enlever ensemble, soit pour vous montrer ce qui me reste sur la tête. Je suis pas sûre de tenir avec pour la nuit quand même. Après, ça me. Voilà quoi. Ce glamour. Bref, donc bah écoutez, on se retrouve demain matin. Bonne nuit. Bonjour. Alors, il est très tôt. Il est même pas 8h, il est 7h, 8h moins quart. On va enlever ça. Donc ça a tenu toute la nuit. Ça m'a un petit peu gêné pour m'endormir. Mais sinon ça va, franchement je les ai pas sentis de la nuit et ça a super bien tenu. Je les ai juste resserrés ceux de ce côté-ci un petit peu hier soir. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va commencer par le début, par le premier, si je trouve la pression. Et je pensais pas qu'elle allait remonter ici. Ben, ça marche bien. Je dirais que j'ai les cheveux au carré. Allez, on continue. Donc, si vous voulez un léger mouvement, je pense qu'il vaut mieux mettre trois chapeautés. Hein. Ouh, la belle anglaise. Oh, je pensais pas que ça allait remonter si haut. Oh, j'aime bien. Attendez, j'en ai encore un ici derrière. Je trouve pas la pression. Ah, aïe, je me suis tiré les cheveux. Oh la vache. Je pensais pas que ça allait boucler autant. Je referai un réel un peu plus tard où on testera d'en mettre que trois de chaque côté. Comme ça, je les mets bien au-dessus. Ça m'empêchera moins de dormir aussi. Ça sera moins chiant pour dormir. Ah, celle-ci n'est pas tout à fait sèche. Je suis. Bah écoutez, j'aime bien. Allez, quand j'étais jeune, je faisais ça avec des mouchoirs en papier. Mais c'était assez chiant de faire les nœuds, parce que ça se craquait. Là. En plus, comme c'est du pilou-pilou un peu éponge, comme ça fait sécher les cheveux aussi. J'arrive pas à l'enlever. Les pressions tiennent bien. Hein. Donc, n'ayez pas peur que ça souffre. Alors, le problème quand je fais des boucles, c'est qu'après je. Mais c'est un passe-temps. Alors, je fais l'autre côté, je reviens. Un dernier. J'ai venu. Si on n'en laisse que deux, ça fait Rabbi Jacob. Bon, on va se calmer, il est tôt, on est bien fatigué. Donc, on va défaire hein, les boucles. Est-ce qu'on ne va pas les laisser comme ça? Wow, mais j'espère que ça va se détendre. Hein. Celle-ci, elle n'est pas tout à fait sèche, je ne sais pas pourquoi. C'est très rare que sur la nuit, normalement, ça sèche. Bon après pour la vidéo que je dois tourner, les cheveux hyper bouclés, ça sera très bien, mais je veux pas rester avec une choucroute comme ça quand même. Essayer de les mettre un peu en place, au pire, je les brosserai un petit coup. On dirait cher. Je m'attendais pas à ce rendu-là quand même. Jackson 5. Bon, on va mettre un petit peu d'huile.
On détend au max. Limite, ici à l'arrière, ça va. Mais ici devant, ça va pas. Pas du tout, ma chérie. Donc, je vous conseille quand même d'en mettre moins sur la tête. Bon, sauf si vous voulez un rendu choucroute, quoi. Après, ça va très bien aller pour. Après, je tourne le Disney Challenge. Donc, ça ira très bien. Ça peut vous donner un indice de quel thème c'est. Mais pour le reste des vidéos, ça va être tendu, hein. Une solution, je peux pas laisser ça comme ça quand même. Donc je vous conseille largement d'en mettre moins. Si je les attache, je pense que ce sera un peu mieux. Oh la vache. Un fou rire de bon matin, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de rire. Enfin d'avoir un fou rire. Oh, attendez, je m'essuie mes yeux parce que je pleure. Heureusement que je suis pas maquillée. Oh là là. De derrière, ça doit pas être triste non plus. Alors, moi, je vois pas, hein, mais je verrai au montage. Je sens que je vais encore me prendre un fou rire. Je vous. Oh là là. Allez, on va se calmer. Il est très tôt. Par contre, ça a un petit peu emmêlé les pointes quand même. Vous voyez, j'ai quand même mis. Je viens de mettre de l'huile et ça accroche. C'est pire en les brossant. Bon. Écoutez, pour le Disney Challenge que je vais tourner, ça ira très bien, comme je vous ai dit. Mais ça accroche, hein. Faites attention à vos pointes si vous le faites. J'ai carrément un nœud. Bon, ça, je regarderai après. Faudra juste que je trouve une solution pour. Pour après quoi, parce que je peux définitivement pas rester comme ça. Je vais remettre un petit peu parce que là ça fait vraiment un effet paillasson. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais mettre la dose, hein. Ça va sécher pour que je fasse mon teint. Ah oui, là c'est un peu mieux déjà quand ils sont bien. Merde, j'ai redescendu mon spray. Je vais remettre un coup de spray quand je serai en bas à la kératine. En tout cas, c'est efficace. Voilà. Ça, je peux vous le garantir. Ah, c'est un peu mieux déjà. Un peu. Mais ouais, c'est un peu mieux. Ça fait un peu moins choucroute ici sur le contour du visage. Voilà. Bon, écoutez. Ça fait une sacrée tignasse. Hein. Alors, écoutez, je vais tourner mon Disney Challenge. Je vous montre pas. De toute façon, je dois faire un autre make-up après. Donc, je vais essayer de trouver une solution de coiffage pour faire un réel après. Pour le réel. Et je viendrai vous remontrer quand même ce que ça donne avec les cheveux attachés, je pense. Parce que là, ça va pas du tout, mais j'ai rien. Après, si je... Là, ça fait clown. Mon avis, il faudra que je les mette. Là, ça fait fine fine. Ouais, donc je vous conseille quand même d'en mettre que 3 de chaque côté. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire ma petite life. On va voir si elle se détend un peu parce que là, ça va pas du tout. Oh là 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 là. Je pense qu'après je vais les attacher avec des lacets en couette parce que ça va pas du tout.
Je ne sais pas, je verrai bien. Oh là là, j'ai les cheveux partout. Bon, allez, je reviens après. Alors, on se retrouve beaucoup plus tard. Voilà, il est il est presque 13h. J'avais mangé, il y a la sieste. Bon. Bref, c'est pas le sujet. Donc, voilà ce que j'ai fait avec mes cheveux. Et vous voyez que depuis 8h ce matin, ils sont bien détendus. Donc, c'est beaucoup plus joli. Donc, à savoir que si vous en mettez beaucoup, je vous conseille de les enlever longtemps avant pour voir le résultat final. Quoi, parce que vous avez vu le fou rire que je me suis pris. Mais voilà, là c'est beaucoup mieux, j'aime beaucoup, et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça fait trop bouclé ou si ça passe à l'esblaze, quoi. Voilà, vous me dites ça en commentaire, vous me dites si c'est le genre d'accessoire que vous aimez. S'il y a d'autres choses du genre que vous voulez que je crash teste en vidéo, ben, envoyez-moi les liens, soit par mail, soit... soit sur Instagram et tout ça, et de temps en temps, quand je ferai une commande, je prendrai un ou deux accessoires en plus que vous voulez que je teste, que ce soit pour les cheveux ou n'importe quoi. Après, c'est plus facile à tester pour les cheveux, que ce soit les accessoires coiffure comme les lacets et tout ça. Je vais vous faire la vidéo, je vous promets. Voilà, je ne sais pas combien je vais vous en faire, mais j'essaierai de vous en faire au minimum 5, voire un peu plus peut-être. Et voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des liens de trucs de coiffure et tout ça. J'aime beaucoup m'amuser avec ça. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre aussi le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.